Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente sur Stronghold Crusader 2. Oh yeah, on n'avait pas terminé la campagne d'apprentissage préparatif, alors bah écoutez, on est parti pour la gueule de lion. Nos maçons ont besoin d'un approvisionnement régulier en pierre. Accompagnez-les dans la vallée voisine avec une petite patrouille pour tenter d'aménager une carrière. L'éclaireur qui est revenu vivant affirme que la zone est envahie de lions et que des signes inquiétants d'habitation humaine se trouvent au fond de la vallée. Oh putain, des signes inquiétants d'habitation humaine, d'accord, des signes inquiétants, oui, bon, hein, peut-être. Tandis que l'apocalypse se prépare dehors, là, c'est... Wouah, il fait nuit encore plus tôt qu'avant, là. Il y a tellement de gros nuages, bah, il fait tout le temps moche ici. Bref, victoire, collecter 200 pierres, je me disais, je croyais que je l'avais déjà faite cette mission. Mais non, c'est un autre truc. Par contre, compte à rebours, attention, hein, 25 jours les mecs, hein, faut pas se chier. Difficulté normale, on est parti, on n'est pas des petites bites. On va se faire si ça la pierre tranquillou. Dont nous avons besoin est bien là, oui. Mais son extraction ne sera pas aisée. Cette région rouille de lion. Ah! Ce n'est pas grave. Construisez oh votre réserve, monseigneur. Oui, d'accord, je construis ma réserve, voilà. Placez votre grenier, si. Oui, mon grenier, hein. Mon grenier. Alors, les terres fertiles. Voyons voir, il n'y a pas un oasis ici, non? Un oasis, pardon. Ouais, bref, vous m'avez compris. On va la faire ici, je l'ai mise dans le mauvais sens, c'est pas grave. Pommeret, mon cochon, tu vas me faire une. Bûcheron, les gars. Alors là, faut pas que je me gourre, bûcheron. Bûcheron, c'est où? Bûcheron. Donc ici. Là, voilà, il y a moyen. Comme ça, on n'empiète pas sur les terres fertiles. On va se faire concrètement. Bah oui, concrètement. Oula. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des mecs qui tirent là, c'est quoi le. On va se faire, allez, 3 huttes, hein, parce que bon, là, voilà, on a combien de bois, ça j'aimerais bien savoir, alors là, va falloir se grouiller, putain, ça va vite, qu'est-ce que c'est ça, exploitation de houblon, brasserie, élevage de porc, exploitation laitière, non, clairement, on n'a pas assez de bouffe, sauf que, voilà, on va faire 3 pommerets, ça devrait suffire, bon, les guys, hein, clairement, vous allez bien arrêter sûr, de vous toucher, là, vous allez là, avec les péons. Ah, on est déjà une caserne. Ah, intéressant. D'ailleurs, on se fait déjà. Il semblerait y avoir une colonie de païens au fond de la vallée. Ouais. N'aime pas ça, monseigneur. Ah, oui. Nous sommes attaqués. Stylé, pas mal la petite tour là sur les remparts. J'aime bien le design. Oui, mais c'est une population orientale. Pas de problème. Alors, le seigneur meurt, 23 jours, collecter de la pierre. Comment ça, avec collecter de la pierre? J'ai même pas commencé, j'en ai déjà. Vos ordres. À vos ordres. C'est normal. On va aller là, on va essayer d'y aller sans se faire défoncer. Alors la pierre, c'est où? Armurerie, bon clairement on est plus fait démonter là. Foncez-leur dessus. Ah oui d'accord, mais là il y a d'accord, ok. Clairement là, oui, on se fait démonter. Là c'est la famille lion, là c'est le royaume des lions qui nous tombe sur la gueule. Alors moi j'en étais, mais bordel c'est où les pierres? Ah oui c'est là. Ah, j'ai pas assez de bois. Bon, clairement, là, ça va, là, hein. Grand-père, tonton... ok, mais non, mais c'est... Oh. On va se calmer, là, non? Bon. Alors, ça, c'est de la défaite. Les amis. Là, ça craint. Là, clairement, ça craint. Ça craint. Il n'y a pas d'autre mot, ça craint. Concrètement, ça craint. Il nous faut du bois, votre seigneurie. Il y a 2 secondes, il y en avait, j'en ai assez, regarde, hutte. Nous manquons de bois, monseigneur. Et tu te fous de ma gueule, il y a écrit que j'en ai assez, hutte. J'en ai 58. Voilà. Bordel. Bon, du coup, la production de péons peut continuer. Du bois, là, putain, les mecs, il faudrait que vous accélériez. Parce que là, le compteur tourne, les gars. Hein, y a la famille lion qui vient de se reproduire encore une fois là. Clairement, j'ai pas le temps de. C'est qui... Ah ouais, d'accord, le mec il est Seigneur, snipe ou quoi? Ces lions posent un véritable problème. Ah bah il oui. Il semblerait qu'ils se reproduisent librement. Oui, je clairement, pense que oui. Nous devrions essayer de les éradiquer dans leur tanière. Ouais, d'accord. Ouais, bah quand j'aurai des mecs.
Parce que là, c'est un peu compliqué concrètement. Du coup, il faut que je fasse déjà des armes et j'ai pas de pierre. Bon. Bien le bonjour, patron. Ouais, bien le bonjour. Oh putain, mais les mecs, mais ils me repèrent à. What? Les mecs me repèrent à 4 km. Vas-y, non, mais foncez, les gars. Foncez. Une fourche dans la France. Carrément dans la France. Oh putain. Non, butez-moi ça. Non, mais butez-moi ça. Non, mais. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux faire? On se fait défoncer. Non mais là je crois que par contre on s'est mal compris. Bon, on va y aller à 15 milliards de péons. Tu vas voir qu'ils vont comprendre maintenant, hein. Y en a marre là, hein. Alors voyons voir si je peux construire une. Qu'est-ce que c'est ça? Un marché. Des renforts ont rejoint le château, sire. Ah ouais? Ah bah voilà. Bah oui, attends. Serrez les rangs. Sinon clairement je peux pas. Il nous faut des paysans, sire. Il faut des paysans. Mais bon, les paysans. Ah là, il y en a des paysans. Du bois, monseigneur. Mais putain, mais. Oh là là. Bon, cette fois j'accepte. Mais c'est bizarre, il y a des endroits où ça coûte plus cher. Petite hutte, d'accord. Bon. Non mais comme ça, je fais du péon. Voilà. Et comme ça. Et comme ça, on va défoncer les lions. Comme ça, on va défoncer. Pourquoi le seigneur est sorti? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Lancier, pareil au combat. Et là, on éradique la famille lion. De nouveaux ordres. Allez, vas-y. Là, on est à 40 000. Oh, allez, vas-y. Vas-y, foncez. Détruisez-moi ça, là. Faut leur défoncer leur tanière. Votre seigneurie, vos ordres, sire. Donnez-leur le coup de mon king, non, c'est bon, mon king, il est nickel. Foncez-leur dessus. Du coup, pétez-moi ça, là. Pétez-moi la tanière, les gars. Faites du bon boulot, là. Pourquoi on voit pas... Oh, la tanière. Ah, bah voilà. Et maintenant, on fonce sur la deuxième tanière. On va les défoncer, les lions. Les lions, voilà. Voilà, c'est bien, ça. Alors la pierre, c'est où? Ah bah voilà. Attaquez-vous au seigneur, il essuie une attaque. Quoi? Nous attendons vos... Non, t'inquiète pas. Regarde, ils ont plus de tanière. Oh mais putain, il va pas se faire des... Regarde ce qu'il leur fait au lion. Allez, vas-y, on pète ça. Allez, pétez-moi ça. Monseigneur. Voilà. Nous attirerons de nombreux ouvriers au château si la nouvelle que nous distribuons de la pierre se répand. Construisez des exploitations de houblon, des brasseries et une auberge pour un approvisionnement régulier. Ouais. Ouais, je veux bien. Alors, par contre, Robert. Ouais, alors, attends. Des attaches de bœuf afin de rapporter la pierre taillée. Oui. Oui. Je sais, Jean-Pierre. Seulement, voilà. C'était un peu compliqué. Un lion a attaqué le village. Rien à foutre. Sire, nous avons découvert une cache d'armes. Exploitation de houblon, les gars. Alors, exploitation de houblon, ça se fait sur les terres fertiles. On va faire une exploitation de houblon, comme ça, ça va attirer les barbares, là. De ces lions, avec une petite brasserie. Nous manquons de bois, monseigneur. Ah, bah ouais, bah attends. 18 jours, ok. Hola. Allez, vas-y. Bonne comme ça. Journée à vous, votre majesté. Il n'y a plus de lions. Vous arrêtez de nous faire chier. Ah, si, il y a Germaine. Germaine est... Ah, d'accord, les lions. Bon, les lions. Les lions sont... Wouah. Le mec, il a tué ma caravane. J'attendais que ça. Je suis deg. Comment on va faire ça? On va faire là, la caravane. Il nous faut du bois, monseigneur. Bah ouais, mais vas-y. Voilà, comme ça, tu vas pas pouvoir le choper. Oh là là, putain. C'est une boucherie. Bah oui, c'est une boucherie, cette saloperie de lionne, là. Bon, il y a du péon. Il y a du Robert. Ok. On va pouvoir se faire une brasserie. Putain, j'ai pas assez de bois, hein. Clairement. Il me faut une brasserie là. Oh là là, mais c'est tellement loin la réserve. Pourquoi je l'ai pas faite là la réserve? Bon, au moins on a. Est en activité, mon on seigneur. A notre plantation de houblon. Putain, il reste plus que 17 jours. Oui, là. On va protéger ça. Le problème c'est qu'il. Ah putain, j'ai pas assez de bois là. Clairement, le bois ça. Le bois me manque. Je peux pas construire deuxième réserve. Le bois me manque. Putain, il me manque 5! Oh les mecs, vous avez pas le droit là. Vous avez intérêt à bosser à la pierre parce que vous avez 200 récoltés, il vous reste 16 jours. Quoi?
Non mais les gars, sans déconner là, vous pouvez même pas les toucher. Non mais sérieux. Wouah. Mais c'est des fous. C'est des fous les types. Ils se font défoncer. Ben il me faut une brasserie hein. Mais la brasserie quand voilà, vas-y toi Jean-Pierre, vas-y pose. Vas-y pose. Voilà. Bon, on a notre brasserie, comme ça CP on va nous rejoindre. Et là ils vont pas nous laisser hein. Il me faudrait une autre série là, clairement là. Il me faudrait une autre série mais voilà, alors Jean-Pierre, écoute, tu vas commencer par bosser très très rapidement. Parce que là, il nous reste plus que 16 jours. Dans une pipe, et il me faut au moins 2-3 carrières pour récolter 200 de pierre, là, ce serait génial. Parce que 15 jours, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ben, ça va être tendu, là, mais il faut que ces enfoirés, là, ils me... Ah! Pas d'impôts, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. J'imagine, Pascal, mais... Ah, je peux faire des archers. Super. Voilà, on va faire... Les flèches sont prêtes. Voilà, vous êtes prêts, vous allez vous rassembler là-bas. Alors ici. On ne pense que du bien de vous, monseigneur. Oui, j'imagine. Hein. Voilà, comme ça, c'est le maxi bonheur. On va mettre ça. Voilà. Comme ça, j'ai du flou ce qui rentre. Monseigneur. Comme ça, on kick les lions. Oh, comme on kick les lions. Oh là 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 là. C'est pété, c'est pété. Bon, bah, on va les défoncer. Vous rigolez, c'est impossible. Bah si c'est possible, j'ai des archers, c'est fait pour ça non? Bon alors ici ça fait du houblon hein. La dame elle fait de la bière. Si, hein. Nos ouvriers se plaignent encore du ragoût ah bah voilà. Et de fromage. Je m'en fous. De variété dans leur alimentation les satisfera probablement. Défoncez lui là. Ils ont peut-être élevé quelques cochons pour leur proposer de la viande. Ah bah voilà. C'est un peu tôt pour ça non? Bonne journée à vous votre majesté. Ouais, clairement. Façon, ça serait possible. On va les défoncer. Bon, du coup, j'ai deux caravanes. Il me faudrait plusieurs carrières. Voilà. Il m'en faudrait une autre là. Sauf qu'évidemment, j'ai pas assez de bois. Ils veulent des élevages nous de porcs. Attaqués. Putain, les élevages de porcs. Mais j'ai juste pas assez de bois, les mecs. Et il faut que je récupère de la pierre là. Ça le fait pas là. Oh là. Allez. Putain, je suis tellement stylé. Oh, je suis tellement stylé. Les pagans ont été vaincus, sire. Ah bah voilà. Je ne manquerai pas de mentionner vos qualités de généralat au roi Richard. Ah bah, le roi Richard. Le roi Richard, il va être content, hein. Bon, on va essayer de tout piller, hein, parce qu'on est des gros enculés. Ils veulent des élevages de porcs. Les élevages de porcs, ils veulent de la terre fertile, bah voilà votre élevage de porcs, hein. Est-ce que le houblon ça marche? Ouais, ils veulent du houblon, du coup ça les rend un peu plus heureux. On est bien là. Là on est bien là. On est bien, il faudrait peut-être que j'augmente la production de pierre. La production de pierre. Le problème c'est qu'il me manque du bois et qu'il ne reste plus que 13 jours. Alors. Ah là. Et j'ai rien récupéré. Bon en fait, bon, ça, c'est juste pour le seigneur, hein, pour l'exercice. Hein. Il me faudrait une autre carrière, Michel. Ce serait cool. On a combien? 70 il vous reste 13 jours. Bah les gars là, vous avez intérêt à mettre un petit coup d'accélérateur là. Oh regardez comment c'est stylé, comment elle ramène les barils de bière. Intéressant tiens. Les pagans vous attaquent, votre seigneurie. Comment que devons-nous faire? Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. On se taille. Clairement, on se taille. Alors ça, putain. Ah, ça, c'est un truc d'enfoiré, là. Garde ton casque, écuyer. Du nerf, les gars. Allez, hein, je vais les faire c'est attaquer. Une blague, ah, le seigneur, faut qu'il rentre, là. Le seigneur, faut qu'il rentre. Mais ces enfoirés, quoi. Il nous faut des paysans, sire. Ouais, ouais, bah, il faut des paysans. Tu et vas arrêter, hein. Et 1 kilomètre à pied. Et 1 kilomètre à pied. Ça use. 1 kilomètre à pied. Vous voilà. N'avez pas suffisamment d'ouvriers pour faire fonctionner ce bâtiment. Putain. Ralliez-vous au seigneur, il essuie une attaque. Voilà. Oui, ben. Bien le bonjour, patron. Il est où le seigneur? Bonne journée à vous. Ah, oh, bah du coup, on se l'est fait, hein. Nous frôlons la pénurie alimentaire, sire. Ah, oh, bah voilà. Bon, du coup, on va se casser, on va rester là. Ouais, parce que du coup, il ramène des. Ouais, il ramène des guys. Ouais.
Ah, il me faut 15 de bois, allez. On est à 102 pierres, les gars. On a 102 pierres, il reste 11 jours, là. On peut le faire, on peut le faire, les gars. On peut le faire. Caravane, allez, go. Allez, les ouvriers, allez bosser. Le seigneur, il rentre chez lui, hein, il va se coucher. Clairement, hein, concrètement. Masure. Ça coûte trop cher, les masures. Là, j'ai pas assez de bois, là. Putain, les mecs, là. J'ai un élevage de porcs. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de bois, on a pas mal de pierres. On a 16 de barils. Oh, des cierges, carrément. On a 16 de bière, pardon. Et on a et du porc au niveau de la viande. Le grenier. Ah oui, d'accord, grenier. Il y a pas de... ah oui, ça bouffe. On a même pas de viande, là. Oh, putain, ça creuse. Oh, la vache, 10 jours. Bon. Jean-Pierre, tu vas retourner sur ta petite tour. Et clairement, là, faut qu'on se magne. 134 pierres, ça va, c'est easy. Easy, les gars, j'ai pas mal de thunes. Si on peut, ce serait bien de refaire un peu de pommerais. Voilà, parce que nous, on fait des pommerais, tu vois. On est des... Voilà, des pommerais. Ah, c'est stylé, je commence à bien apprécier le jeu. Ouah, c'est la pénurie alimentaire, les gars. C'est la pénurie alimentaire. Ah, c'est bon, c'est plus la pénurie alimentaire. Est-ce que j'ai de quoi refaire voici une... la majeure partie de la pierre collectée, monseigneur. De quoi? Oui, super. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il propose la suite pendant la campagne avec beaucoup plus de choses, parce que là, c'est qu'une toute petite partie. On n'a pas encore vu la construction de châteaux et tout ça, quoi. Hein. Je vous le dis, là, ça... Ouais, ouais, non, non, ça nous réserve pas mal de trucs. Sachant que j'aimerais bien aussi vous tester le premier. Hein. Alors vous m'avez dit qu'il y en a un, il est free to play. Mais qu'il est pas très intéressant, parce que bon, faut attendre 15 jours pour qu'un truc se construise, quoi. Donc, Ah, ben voilà, ça va être la victoire, les gars. Wow! Et là, on va fighter. On a aucune solde pour ça, vous savez. Allez, là, on a deux pierres à envoyer, là. C'est bon. C'est bon. C'est nous bon. Sommes attaqués. Le dernier chargement est parti, c'est bon. Bien le bonjour, patron. Ouais, salut, Makai. On va mettre une autre masure. Putain. Voilà. Comme ça, il y a du peuple. Waouh, cette trompette là. C'est la victoire là, les gars. C'est la victoire. Il est un peu tôt pour ça, non? C'est la victoire. Regardez, c'est le buff. C'est le buff de la victoire, les gars. C'est le buff de la victoire avec le seigneur qui a combattu comme un prince. Bon, c'est moi-même d'ailleurs. Le grenier est vide. Mais non, le grenier n'est pas vide. Est apparemment en chemin, si. La cargaison de pierre devrait être prête à son arrivée. Ah, c'est bon, ma poule. Boum. Oh yeah, succès déverrouillé, campagne préparative. Yeah, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé, félicitations, vous avez maîtrisé la campagne préparation. Bah écoutez, j'ai fait ça toute ma vie, hein. Bon, ça se voit, hein, je maîtrise, hein. Concrètement. Bon, là, évidemment, c'était pas très dur. Mais on va pouvoir commencer la campagne, les amis. Cœur de lion. On est parti pour la première mission. Le roi Richard est arrivé sur la Terre Sainte et est impatient de remporter la victoire. Il ordonne à son armée de se rendre vers une ville voisine et vous ordonne de la rallier sous sa bannière. J'accepte. Compte à rebours des jours. 8 joueurs 1 n'a pas de troupes. Bon... attendez que je comprenne là. C'est passionnant. Ah, c'est la première fois que le roi siège. Richard vous confie son avant-garde. Elle n'est pas particulièrement nombreuse. Oh. Mais si vous êtes aussi doué que je le soupçonne, vous pourrez franchir ces murs. Oh, c'est stylé, putain, on va faire un siège. Oh, la classe, le seigneur ennemi meurt. Alors, j'ai quoi? On a de la catapulte. Oui, là. 4 catapultes. On a des archers, qu'est-ce qu'on a? On a des spadassins et on a des lanciers. Alors clairement, bon. Garde ton casque écuyer. Clairement, vous allez vous avancer là. Pour la gloire, ah merde, non, c'est pas ce que je voulais. Oh. Sire, cette chaleur étouffante embrase les cieux même. Ah, on dirait que la bataille non, 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 alors a commencé, vous. Sire. Vous me pardonnerez si je me sens un peu nausé. Non, non, attendez. Catapulte parée, les catapultes, si vous allez tirer. Vous prenez cher pour rien. Alors. Oh putain, il y a la foudre. Oh non, Jean, non. Non, c'est pas ça que je veux. De nouveaux ordres. Non, mais. Les archers, ils sont où là? Est-ce que j'ai des archers au moins?
J'ai pas d'archer, hein. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Putain, je prends cher. Oh, mais en fait, je prends gagner cher. Nos instruments sont prêts. Bon, en fait, faut que j'envoie tout. Oh là là. Alors, les amis, c'est la première fois que je fais un siège, donc. Impossible de passer par là. Impossible de passer par là. Ah non, mais là, il faut que j'envoie tout là. Là, parce que en fait, je me rends compte que. Ouais, sinon, je peux rien faire. Mais c'est stylé, hein. Oh, c'est la classe. Ah, ils ont bien bossé là-dessus sur la physique. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux. Je vais me faire déglinguer là, clairement. Nous vous écoutons. Pourquoi ça rentre pas là? Allez! Vous avez besoin de nous? Allez! À vos armes! Oh, je me fais défoncer! Messire, nous partons. Bien, messire. Allez, vas-y, tirez! Nous suivrons vos ordres. Non, tire! Préparation, putain! Nous nous battrons avec courage! Tchou! Allez, pète-moi ce mur! Oh là là là! Et là on rentre! Oui, et là on rentre! Et on va le démonter! Et je l'envoie même mes catapultes dessus, mais. Vous avez besoin de nous? La ville est presque à nous, sire. Ouais, bah. Les citoyens vous demandent de garder le contrôle de vos hommes. Oui. D'abord on défonce le seigneur Grand Manitou. Messire. Et toi tu. Nous sommes en route. Défonce-moi ça là. Parce que là il fait trop le beau là. Elles ont une cadence de tir assez, assez importante. Bon là c'est un siège. C'est n'importe quoi. Prêt. Allez défoncer le seigneur les gars. Le seigneur bande de teubés. Les seigneurs Jean-Pierre. Voilà. Maintenant à 15 contre 1. Oui c'est super loyal. Ah bah là. Là. Bah voilà. Il n'y a qu'à demander. Là c'est du gangbang. On a plus de catapultes. Bon par contre ouais clairement c'était un peu du. C'est un peu horrible, c'était du génocide là clairement. Voilà, on va gagner. Bon, ça montre qu'on peut faire des sièges et ça a l'air d'être assez stylé, hein. Ça me rappelle. Nous sommes victorieux. Ça me rappelle un peu les Total War. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, deuxième mission, c'est aller rapide. Accumulant hein. Les victoires, rapidement, hein. Richard s'approche irrémédiablement d'Antioche. Saladin tend une embuscade habile aux croisés impatients dans les montagnes. Richard vous devance. Accompagné de sa garde et vous laisse affronter la tempête. Ah, le bougre! Compte à rebours des jours 25, l'ennemi n'a plus de troupes, le seigneur meurt. Vous commencez la mission avec une grande réserve de blé, elle vous permettra de maintenir votre production alimentaire, même si vous perdez les fermes situées au nord. Intéressant. Gardez l'œil ouvert car les attaques peuvent venir de n'importe quel côté, ouais. Vous pourrez former de nombreuses troupes si vous construisez de nombreux ateliers dès le début de la mission. D'accord? Et les arbalétriers sont particulièrement efficaces. Contre les unités portant des armures lourdes comme les spadassins arabes. Intéressant, donc arbalétrier. Gardez votre château intact en scellant les trous dans vos murs. Ah j'ai un château, ça vient. Surveillez votre réserve de fer. Si vos réserves s'épuisent, certains ateliers ne fonctionneront pas. D'accord. Votre réserve de fer. Construisez une autre mine de fer et des attaches de bœuf pour augmenter votre production. Ok, bah, en voyant le temps, je pense qu'on va s'arrêter là. On est quasiment à 25 minutes hein, pour une petite vidéo détente, c'est parfait. On pourra faire cette mission bah, dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous et portez-vous bien.